Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent bah, pourquoi ils veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Comme ça, qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire les cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre les décisions qui concernent nos vies. Nous voulons prendre les décisions qui concernent nos vies. Qui concernent nos vies. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potager, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Est démoli pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Solidaires, virés par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons, qui pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent.